Sachez qu'à l'origine, je voulais faire une vidéo tellement putaclic, tellement un truc fou. Bienvenue dans cette vidéo, toujours pas trouvé mon introduction et je pense que j'en aurai jamais. Aujourd'hui, on va parler d'un site que j'ai découvert il y a pas mal de mois déjà, mais ça reste encore un site nouveau et en fait je vois qu'ils ont évolué, c'est-à-dire qu'ils proposent plus de services et à la base c'était seulement du copy trading. Alors pourquoi je veux vous en parler? C'est parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Je dois vous dire quelque chose. Pour faire cette vidéo, j'avais deux options. D'un côté, je me disais, il y avait un démon en moi qui me disait « Fais une grosse vidéo putaclic, bien sévère et critique à mort eToro ». Vous connaissez peut-être eToro, si vous aimez justement, si vous êtes adepte du copy trading. Il y a plein de choses à savoir sur eToro, ça peut être bien d'une certaine manière, mais alors en ce qui concerne les crypto-monnaies, franchement, c'est un site à éviter si vous êtes dans les crypto-monnaies. Par contre, en finance classique, c'est plus cher, etc., mais c'est autre chose. Peut-être que ça peut avoir de l'intérêt, je sais pas. Mais en tout cas, pour les crypto-monnaies, par exemple, achetez vos crypto-monnaies ou achetez vos bitcoins sur eToro, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande pas. D'ailleurs, il y a d'autres personnes aussi qui les recommandent pas. Parce que simplement, c'est trop cher, c'est pas du tout compatible avec la plateforme. Mais voilà, donc il y avait ce démon-là qui me disait ça. Et de l'autre côté, il y avait un petit ange qui me disait « Mais non, c'est pas grave, fais simplement une vidéo relax, quoi, sans parler nécessairement d'eToro, sans casser du sucre, en proposant simplement une alternative. » Et donc, devinez quoi, j'ai choisi quoi ? La voix de la sagesse, la voix de l'ange. Donc voilà, alors vous l'avez compris, on va parler donc de copy trading. Je vais donc vous parler de Diabolo Trading. Alors, les plus suspicieux d'entre vous vont se dire que j'ai reçu un paquet d'argent pour parler de la vidéo. Et je dois vous dire la vérité, très sincèrement, non, c'est-à-dire que vraiment je connais le site, enfin j'avais découvert le site il y a quelques mois, à la base ils faisaient que du copy trading et maintenant ils font autre chose. Et ben justement si j'ai décidé d'en parler c'est parce que j'hésitais à faire une vidéo sur eToro, mais je crois que j'ai pas eu le courage, enfin j'avais pas le courage à ce moment-là de faire la vidéo sur eToro parce que je sais très bien qu'en faisant une vidéo sur eToro en disant que c'est pas terrible ou quoi, on se prend les haters du monde entier, donc j'étais peut-être pas prête, j'avais peut-être pas le courage à ce moment-là, mais un jour si ça vous dit et si j'en ai et si j'ai la foi, je le ferai bien sûr. Donc voilà, comme toujours, les introductions sont longues et fastidieuses, de plus en plus longues même, et on va enfin pouvoir parler de Diabolo Trading. Alors déjà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent pas le copy trading, alors c'est tout à fait possible. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est de plus en plus populaire parce qu'il y a vraiment des avantages à le faire. Alors vous savez par exemple que les bots de trading, c'est très très apprécié dans le monde de la crypto-monnaie et c'est tout à fait justifié parce que tout simplement la volatilité elle est tellement forte sur les crypto-monnaies que trader manuellement, ça demande quand même un certain savoir-faire. Enfin, il faudrait surveiller les marchés H24, il faudrait être très pertinent, très pointu, parce qu'on peut gagner énormément, mais aussi, bien sûr, on peut perdre. Un peu de la même manière que le trading haute fréquence dans les marchés classiques, c'est-à-dire qu'avec les crypto-monnaies, on passe souvent par des bots qu'on va configurer d'une certaine manière. Il y a cette manière, donc, de gagner dans le trading, et il y a aussi cette manière-là, qui est précisément le copy trading et qui permet non pas de créer un bot, c'est-à-dire un algorithme en fait qui va faire des opérations à votre place selon vos propres critères, mais là le copy trading c'est simplement que vous allez copier automatiquement les trades, donc les positions ouvertes et fermées d'un trader. Vous voyez, j'ai peut-être pas besoin de vous expliquer les avantages, vous les voyez immédiatement, c'est-à-dire que normalement, hein, on suit des traders performants, c'est-à-dire que ça nous donne la possibilité de faire exactement comme les traders performants, c'est-à-dire de gagner exactement comme eux, sans avoir à se former en trading, parce que là, good luck. Moi, ça fait longtemps que j'en fais et je peux vous assurer que c'est vraiment un monde en soi. Ça évite donc de se former, ça nous fait gagner du temps et potentiellement on trouve de très bons traders à copier. Et bien donc c'est ça que nous permet de faire Diabolo Trading, c'est-à-dire qu'on peut faire du copy trading sur la plateforme. Alors bien sûr ils offrent d'autres choses sur la plateforme et je sais qu'ils vont sortir d'autres choses par la suite, mais pour l'instant on va simplement se concentrer sur l'offre de copy trading parce que je pense que déjà ça peut être intéressant pour vous et pour moi, enfin pour toutes les personnes qui cherchent à faire du profit sans pour autant rentrer dans le trading pur. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant la seule plateforme avec laquelle on peut synchroniser, à ce que j'ai compris, c'est Binance. Alors de toute manière, moi, au fait je dis souvent Binance ou Binance, c'est pas grave, mais de toute façon Binance, moi c'est la plateforme que j'utilise, même si je sais qu'elle est devenue super complexe pour un débutant maintenant. Ça j'en ai conscience, quand j'ai commencé à l'utiliser moi à l'époque c'était très basique,
Mais là, j'avoue que ça devient de plus en plus étoffé. Alors, c'est super dans un sens. Et puis, je peux comprendre aussi qu'elle peut rebuter des débutants, tout simplement. Mais toujours est-il que pour Diabolo Trading, il faut avoir un compte d'abord sur Binance. Donc, si le service vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement donc d'abord de vous enregistrer sur Binance. J'ai écrit un article aussi où j'explique comment faire avec l'API, où je vous montre tout simplement sur mon écran comment récupérer l'API. Alors c'est assez simple. Et c'est-à-dire que là, ça va permettre de synchroniser vos deux comptes, c'est-à-dire le compte sur Binance sur lequel vont se faire les trades, et puis votre compte Diabolo sur lequel vous allez suivre vos traders. Et pour l'instant, on peut le faire uniquement avec Binance, ce qui est, je vous le dis personnellement, très bien. Alors comment ça marche pour la plateforme? Vous pouvez choisir différents types de traders. Bien sûr, en général, vous allez avoir tendance à choisir des traders qui ont une bonne performance. Vous voyez aussi si vous y connaissez leur stratégie. Certains s'appuient sur des stratégies qui sont plus ou moins pertinentes pour vous. Moi, je regarde la performance et aussi les stratégies parce qu'il y a des indicateurs boursiers qui ne me plaisent pas par expérience. Et comme vous le savez, prenez ça avec des pincettes parce que bien sûr, même s'il a fait pendant 6 mois 60% de performance, ça ne veut pas dire qu'il va en faire par la suite, mais ça veut dire quand même qu'on a affaire à un bon trader. Et justement, autre chose, je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est pas mal ce qu'elle a fait Diabolo Trading. C'est-à-dire qu'avant d'autoriser les traders sur sa plateforme, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle... parce que bien sûr, sur la plateforme, vous pouvez soumettre aussi votre candidature pour être trader. Alors, les avantages, c'est tout simplement que vous allez gagner doublement. C'est-à-dire que vous allez gagner avec vos trades et vous allez aussi récupérer 10% de commission sur les gains de des personnes qui vous suivent. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que la plateforme, elle regarde bien le passé et l'historique trading du trader en question. C'est-à-dire qu'elle nous balance pas n'importe quel trader. Bon, je sais que de plus en plus de plateformes font ça, mais tout de même, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'il y a quand même validation, vérification de la team. Et voilà donc ce que je voulais vous dire pour le copy trading. Donc, ça reste une bonne option même d'apprendre le trading et puis surtout de gagner avec le trading. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a un minimum pour trader, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir 0,025 de BTC sur Binance, sur votre wallet spot hein, classique. Et il faudra aussi avoir des crédits. Alors ce que j'ai remarqué par rapport à toutes les offres, c'est quand même une offre super abordable. C'est-à-dire qu'en général, pour faire du copy trading ou pour avoir des bots de trading, c'est quand même différent, hein, je l'ai dit dans l'introduction, mais pour avoir des bots de trading, il faut payer un abonnement par mois. Je peux comprendre que parfois c'est cher, je pense à Tricoma, CryptoHopper, etc. Mais bon, pour moi ça vaut le coup, mais je peux comprendre que de prime abord c'est un peu élevé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un système de crédit. Alors, les crédits vont se transformer dans le token de la plateforme qui sera des Dcash, mais pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Peut-être que je ferai une vidéo par la suite, mais toujours est-il que les crédits que vous avez maintenant seront des tokens hein, ERC20 par la suite. C'est-à-dire que c'est avec les crédits que vous paierez la possibilité de faire des trades ou de faire du copy trading. Et bon, en fonction de ce que vous voulez investir sur la plateforme, eh bien, vous achèterez des crédits demandés. Donc ça peut être pas mal intéressant dans la mesure où c'est pas des abonnements, dans la mesure aussi où vous achetez un token qui peut-être va prendre de la valeur, surtout si la boîte, l'équipe arrive à ramener de plus en plus d'utilisateurs, c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça qui va faire la valeur et la profondeur de cette token-là. Donc voilà un peu le tour de Diabolo Trading pour vous faire juste une présentation. Pour encore une fois, ceux qui veulent des détails plus précis sur la plateforme, etc., j'ai aussi écrit un article, bien sûr. Ce que je peux rajouter, c'est que pour une fois, c'est un site français. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, enfin bon, c'est pas vraiment étonnant, mais tous les sites que j'utilise, et Dieu sait que j'en utilise beaucoup, j'en ai aucun qui est français. C'est quand même incroyable quand j'y pense. Donc voilà aussi pourquoi je voulais en parler, parce que c'est une boîte française qui peut cartonner, qui a tout en main pour cartonner. Voilà, c'est une boîte française, c'est assez rare, donc ça veut dire que le site aussi est en français, c'est-à-dire que l'équipe qui est super réactive en plus est en français, la société est basée en France, etc., etc. Je sais que pour certains, c'est important. C'est l'occasion pour mettre la lumière sur eux. Voilà pour le copy trading. Je sais pas, donc maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. À chaque fois, je me dis ça, je me dis, est-ce que j'ai donné toutes les informations ou pas? Si vous en avez, bien sûr, en espace commentaire, je peux répondre aux questions. Moi, je viens juste de m'inscrire. Alors, je me suis dit, j'allais faire ça progressivement et vous montrer après mes résultats au bout de 3 mois, 6 mois, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, on va finir la vidéo comme ça. Sachez que je prépare aussi une vidéo sur la DeFi. Pas évident de trouver le bon angle, mais je prépare ça. Je sais que c'est quand même super important. Parce que je pense que si on loupe le cash de la DeFi maintenant, c'est-à-dire que si on n'arrive pas trop à bien comprendre ce qui se passe, bah, on va avoir de plus en plus de mal à suivre l'actualité. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça. Je vous salue. J'espère que le copy trading vous aidera. Je parlerai aussi d'autres sites qui font du
copy trading, bien sûr, il y en a quand même de plus en plus. Bien sûr, c'est intéressant. Et voilà, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos bitcoins et de vos crypto-monnaies aussi. Allez, salut !